Comment faire un risotto à la courgette pour deux personnes? Je coupe une courgette, je l'épluche partiellement, ça donne du style. J'en fais des demi-lunes régulières, attention les doigts. Pareil pour les échalotes et l'ail, il est conseillé de retirer le germe. Préchauffer une poêle avec de l'huile d'olive à feu vif, mais pas trop. Faire chauffer de l'eau pour en faire du bouillon. Faire revenir l'échalote et l'ail, environ 30 secondes. Ajouter la courgette et assaisonner, environ 1 minute. La quantité de riz pour une personne est d'environ une tasse à café. Faire rissoler le riz, environ 30 secondes. Et on va déglacer avec un coup de vin blanc. Ajouter progressivement le bouillon, car celui-ci doit s'évaporer au fur et à mesure de la cuisson, environ 15 à 20 minutes. Épicer selon les goûts. Si j'ai un couvercle avec aération, je peux mettre à feu doux. Goûter de temps en temps. Si on vous a posé un lapin, ou si vous en avez trop fait, le retirer avant qu'il ne soit cuit, le laisser refroidir avant de le mettre au frigo. Et voilà, c'est prêt.